On enlève du caillou, plein de cailloux. C'est pas tout ce qu'on a fait aujourd'hui, mais il y en a une belle partie. On fait des trous, les chiens font des trous aussi. Beaucoup de vent aujourd'hui. Dessus. Il cherche. Pika, va voir. Pika, tu vas voir dedans. Va. Va voir. Va voir. Non mais c'est là, je pense qu'on a raison. Hein. Si tu peux éclairer un peu dedans, enfin quoi que. Elle sait. Il est intelligent ce petit chien. Allez, on ouvre parce que. Il y a tout qui se pète la gueule. Ouais. Là, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Toute seule. Comme une grande. Ouais. Et après, ouais, faut que je vive là-bas aussi. Ça, c'est une concrétion. Et on avance doucement. Donc là, c'est la désobe qui est en cours, voilà, avec Sébastien. Et alors là, regardez où elle va, Pika, avec son petit manteau rose. Et là, c'est elle qui l'a trouvé. Je l'ai un peu agrandi. Ça va s'appeler le grillage 4. Donc c'est un trou qui aspire de l'air. Voilà, c'est de l'air très chaud qu'il y a ici. Ça vous plaît, hein? Ces chiens adorent les trous. Sinon, on a quand même ramassé quelques bouts de concrétion. Ici, un bout de draperie. Allez, fin de chantier, on a bossé 3 heures. Ça part dans ce sens-là. Il y en a un petit peu sous ce caillou là. Donc là par contre c'est. On voit rien, c'est assez compliqué. Il y a un air chaud de fou. Voilà. Donc nous avons toujours la trémie, on a essayé de purger un peu mais c'est pas fini. Ah ouais, là on a des concrétions là. Voilà. Et sinon ben le résultat c'est tout ça. Plus ce qui est là-bas dans la petite vallée. Voilà, c'est fini.